Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et à l'occasion de Pâques, on va faire un deuxième épisode de questions pour un glouton. Bon, ici on a deux gloutons techniquement. Si vous avez vu la vidéo sushi où on démonte un buffet à volonté de sushi avec ma soeur et deux amis, vous saurez que ma soeur a vraiment un bon estomac comme le mien. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, on vous la mettra juste là. Et maintenant donc on va se retrouver pour cette vidéo qui va consister à quoi ? Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais faire un tout petit point, simplement pour vous annoncer qu'à partir de ce lundi, c'est-à-dire demain au moment où on regarde cette vidéo, ou plutôt le 13 avril, on lance une semaine de recettes sur Plaisir et Diète. C'est-à-dire qu'on va vous faire une semaine, 7 recettes inédites sur Plaisir et Diète, qu'on vous envoie en newsletter gratuitement. Donc tout simplement parce qu'avec ce confinement, on sait que les gens s'ennuient un petit peu et on s'est dit tiens, on partagerait pas au lieu d'une recette par semaine une recette par jour pour vous, tout simplement pour que vous puissiez tester des recettes saines mais délicieuses pendant que vous êtes en confinement afin de garder votre diète et de vous faire plaisir tout en cuisinant et en testant des nouvelles choses. Donc très simple, pour pouvoir avoir accès à ces 7 recettes gratuites, vous avez juste à vous inscrire sur le premier lien que j'aurais mis dans la description. C'est l'inscription à notre newsletter Plaisir et Diète. Et en plus, c'est pas tout. Dès que vous inscrivez à la newsletter, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez un e-book avec nos 10 recettes préférées gratuitement en plus. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, bien sûr. Si vous êtes déjà inscrit, pas de problème, vous avez fait le bon choix. Et à partir de demain, vous recevrez une recette par jour pendant 7 jours, des recettes inédites. Allez, passons à la vidéo. Alors c'est très simple, j'ai reçu des insectes de la part de loups sur Instagram et je vous remercie parce qu'ils m'ont envoyé un colis de malades. Et dedans, il n'y avait pas que des trucs bons, il y avait aussi des insectes. Il y a 6 variétés. Et donc ce qu'on va faire, c'est on répond au même quiz que la dernière fois, qui est quiz up sur votre téléphone. Et on fait une question. Si on répond faux, on mange des insectes. Si on répond vrai, on a donuts, on a deux nocos, des boissons zéro calories avec des goûts spéciaux, une à la fraise et une ananas. On va goûter ça, je sais pas si vous connaissez ça en France, en Belgique je l'ai jamais testé. C'est un peu comme des monsters mais en plus petit. Et on a des œufs en chocolat, parce que pour Pâques, ça va surtout être les œufs en chocolat. On va piocher un œuf avec ceci sur les yeux. Mangez ça, et elle a ça. Non, je rigole, c'est moi le beast ici. Et on a ça, plein d'œufs, on mange les yeux fermés, on ne sait pas quel goût on a. Et on dira c'est quel goût. Et on a fait des cookies qui sont finalement devenus des brioches ou je ne sais quoi. Parce que finalement on n'avait pas de levure chimique, donc on a employé de la levure boulangère et les cookies sont ronds. Voilà, mais bon, l'important c'est que ce sera bon. Et si on perd, on goûte ça, ça va être marrant. On va vous mettre une petite ligne en bas ici avec nos têtes. Et dernier petit point, vous voyez qu'on a un petit placement de produit ici. T-shirt Misfit Tidings, pull Misfit Tidings. Donc ces vêtements sortiront bientôt, on travaille dessus pour qu'ils soient une bonne qualité. Donc vous avez déjà vu plein de sortes de vêtements, on a des casquettes, des débardeurs, des t-shirts, des pulls. Donc on va essayer de faire quelque chose de qualité, ensuite on vous sortira ça pour que la marque Misfit Tidings soit une marque qui vous plaise. Donc sans plus attendre, passons à la première question. Bon, du coup on va faire un Shifumi pour celui qui perd. On fait pierre, papier, ciseaux, celui qui perd en une manche, il commence. Ok. Pierre, papier, ciseaux, hop, oui. Non, je... C'est un, deux, trois. C'est bon, pas le but de faire ce jeu. On peut faire un bras de fer, si. Non. Allez. Pierre, papier, ciseaux, 1, 2, 3. Pierre, papier, ciseaux, 1, 2, 3. Allez, hop, tu perds, tu commences. Alors, t'as trois choix. Culture générale, carte de la France ou corps humain? Corps humain. Quel organe contient des cellules pariétales produisant de l'HCL? Le rein, la thyroïde, l'intestin grêle ou l'estomac? T'as plus beaucoup de temps. L'estomac. Et c'était juste. Je le savais. T'as gagné, donc tu vas manger un truc bon. Je vais te donner un truc, tu vas me dire ce que c'est. Ok, ouvre la bouche. Grand. C'est un donut. Non. Non, c'est la brioche. Bon d'accord, scène de nuts. Alors, ouais. Quelle fête se déroule le 1er mai? La fête du muguet. Ah, ça n'existe pas. La fête nationale française. C'est la fête du travail.
Tu peux amener des autres aliments si tu veux inventer des trucs. Hein. T'as le droit de prendre ce qui n'est pas sur la table. Ouais, c'est bien. On va faire la même fin que moi, évidemment. Vas-y, ouvre la bouche. Tu vas dire c'est lequel? Alors, j'ai pas eu de trop grand. Ah, j'ai eu un truc comme Nibs. Donc, c'est celui au truc comme Nibs. Ouais. Allez hop, Donald Trump. Laquelle de ces langues Mélanie Trump ne parle-t-elle pas? L'allemand, le français, le slovène ou le chinois? Le chinois. Ouais. En même temps, c'était pas très compliqué, je suis désolé. Mais... Est-ce que je te laisse un petit bout de papier, tu m'en voudras? Non. Ouvre la bouche. Chocolat au lait. Son dernier mot? Il n'y a pas de ajout, il n'y a pas de fourrage, il n'y a rien. C'était chocolat. Ouais. Parce que t'aimes pas ça. Quel chanteur est l'auteur de la chanson de la France à l'Eurovision 2016? J'ai cherché. Slimane, Navi, Amir, Corentin, Slimane? Non. C'est qui? Pardon. C'est qui, Steve? Putain, je reviens à manger des insectes. Oh, ça a l'air dégueulasse. Oh. Regardez-moi ces insectes dégueulasses. Ah. C'est 500 calories pour un paquet de 100 grammes. Il faut savoir que dans tout le truc ici, il y avait 40 grammes, j'avais vu. Donc en vrai, impossible qu'on ait beaucoup de calories avec ça. Bon, moi je pars en enfer. Oh mais non, j'ai trop peur. Je devrais te dire le goût, c'est ça? Ah ouais. Ah Oh, j'ai une tête. Ça, c'est dégueu. Ah. Barbecue. Non. Attends. C'est un goût de chips que je connais. Mais lesquels? Si, on dirait les barbecues. C'était tapas. Du coup, ça veut dire que j'avais perdu, quoi. Oh putain! Eux c'est des petits verres! Eux c'est des petits. Eux c'est des gros verres! Maths facile. Bah si tu rates maths facile, t'es vraiment nul. 13 plus 7 plus 0 moins 0. 20. C'est juste! C'est trop facile ce cas-là. Moi j'ai eu le truc sur. Je sais même pas quoi. Ouvre la bouche. À mâcher, peut-être que c'est un peu sec. Merci, quel plaisir. Ah, ouais, c'est vraiment sec. Vas-y, bois, bois, c'est bon, vas-y, bois, c'est bon, avale, avale, c'est bon. Commence pas à me dire, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Si, c'est bon, mais c'est sec et c'est trop grand. Si tu donnes un petit bout, ça va. Oh, oui, mais quel pays appartient à ce drapeau? C'est pas l'Ukraine, c'est pas la Bulgarie. Ah, peut-être la Bulgarie, peut-être la Géorgie, pas la Grèce, c'est la Géorgie. Oh ah. Ça veut dire que je gagne. Ça veut dire que je mange quelque chose. Mélanger les deux, c'est dégueulasse. Dis-moi quand je peux le tenir en main. Ah, tu vas le tenir en main? Bah, techniquement, tu veux faire comment? Je te sers dans ta bouche. Ouais, oh, c'est ça, ok. Si tu renverses, tu finis toi. C'est de l'eau, connasse! C'était bon. Ah non, c'était pas bon, c'était de l'eau à la pastèque et au melon. Bon, je veux sérieusement le goût. Non, vas-y, bois-toi. Bois-toi, Rota, ça va coller. Il est où? Non. À côté. C'est ananas. Ananas, alors que normalement on a coco. C'est coco. Et fraise. C'est coco? Non, ouais, c'est ananas. Pourquoi t'as dit que c'était coco? C'est toi qui as dit coco, moi j'ai dit ananas. Coup, t'as dit coco. Non, c'est toi qui as dit coco. J'ai rentré dans la vidéo la partie où elle a dit, on verra ce qu'il a dit. C'est toi qui l'as dit au début. Moi j'ai dit ananas. T'as dit on a coco et fraise. Une à la fraise et une ananas. À quelle fameuse bataille le roi d'Angleterre Henri V est-il associé? Azincourt. Azincourt? Oh ouais! Moi je croyais Monmouth. La bataille des Monmouth, c'est la bataille de l'âge de glace avec Mani. Là, je te mets des insectes. Non, tu veux pas. Aïe. C'est gros aussi, c'est sec, c'est ça? Non. Mais elle a une petite bouche, elle est comme ça. On dirait Julien. Chocolat quoi? Il y a le top. Ça s'appelle comment? Je sais pas, je connais pas. Tu connais pas? Première fois que tu goûtes? Eh bien, c'est faux! C'est ou quoi?
Chocolat, peanut de pomme. Mais quel chocolat? Au lait. Ok, t'as perdu. Vraiment, t'as vraiment perdu. C'est quoi, un chocolat blanc? Des clusters, crunchy peanut cluster, chocolat blanc, peanut butter. De chez Action. En France, sous quel nom la spécialité du Moyen-Orient nommée Lahmkoun, Lahmakoun, qu'est-elle connue? Pizza irakienne, pizza syrienne, pizza saoudienne, pizza turque, pizza irakienne. Non, c'est quoi? Pizza turque. Lahmakoun. Ouvre la bouche. C'est dur. Hein? Attends. Allez, il est tombé, zéro moi. Il est où? Ah! Oh! On est dans la bouche. Ah! Nature. T'as vraiment mis nature. Ouais. T'es une connasse. C'est bon. Non. Non. Nature, c'est pas bon. Ah. Il est petit vert, c'est meilleur que l'autre truc. Ah. Je pue la gueule. Combien? 0,5, non, moins 2. Et les autres, t'avais pas dit? Les autres, ça, c'était un 7 sur 10, franchement. Ah ouais? Là, je veux boire. Ah! En ça, tu vas l'air dans le cul quand je viens. Tu peux pas donner le premier neuf? C'est moi qui dessine. Corps humain. J'ai tellement faim que j'ai un borborygme. Qu'est-ce que j'ai? L'estomac qui gargouille, une mauvaise haleine, le mal au ventre ou un ventre maigre? L'estomac qui gargouille. C'est trop facile. Ah, putain. Je mets un tabou. Non, si. Non. Ma fraise. À croire que vraiment cette fille, elle joue tout sur l'audition. Parce que je lui ai donné ananas et elle m'a dit fraise. Elle n'a pas de goût. Et puis c'est elle me dit fin, c'est que oui, mais c'était très bon. C'était pas très bon votre truc, c'était un peu sec. Et ça, c'était fraise. Je visite les gens avec l'intention de leur enseigner un mode de vie sain. Je suis un diététicien. Il y a pas. Un infirmier à domicile, un géologue, un architecte naval, un opticien. Un infirmier à domicile. Yes, it is. J'espère qu'il est bon, tu me pas bien. Chocolat blanc. Praliné. Rien que juste, c'est tombé sur ma langue. J'ai goûté le goût du chocolat blanc. Ça, ça va avoir un bon goût. Oh, le praliné. Combien? Pas très praliné. C'était vraiment ça. C'est du chocolat au lait. Ou non. Je te promets, c'était au lait. Quelle blague. Regarde, chocolat. Ouais, c'est au lait. C'est au lait, c'est blague, c'est bien. Et c'était praliné ou pas? Parce que c'était un peu dur. Non, c'était biscuit. C'était pas praliné en fait. C'était biscuit. Pour ça, je disais yo praliné. Putain. Je produis des images visuelles de tout type de médias tels que des magazines, des livres de publicité, des sites web et des posters. Qui suis-je? Un designer graphique. Un caporal suppléant, un artiste, un caporal. Un caporal. Ah, là on va s'amuser. Tu vas pas donner la tour de plus pour moi. Je peux le faire, je peux. Non. Ah. Oh. Arrête, je peux. Pas la tour directement, tu vas voir. Ouvre la bouche. Ah. Allez, Miss. Hein. Allez. Penche. Mmh, c'est bon. J'ai même pas senti l'effet taper direct dedans en mode je goûte pas les verres. Attends. Non. C'était curry. Souvent connu comme sommeil profond, pendant quelle étape du sommeil rêvons-nous le plus? REM, NREM, TEM, PRM. Non, TEM. Yes, il avait raison. REM. Putain. Vas-y. C'est toujours bizarre dans les insectes, c'est pas grave. C'est grave bon. Ah ouais? Mais il faut l'autre. T'as les goûts des épices bulk. Barbecue. Ouais, je suis gentille. Combien? 8 sur 10. Ah ouais? Franchement, je suis choqué. Moi, pour curry, je mettais un petit. Le pire, c'est vraiment de nature.
C'est vraiment, tu sens quand tu... Au début ça va, t'as aucun goût. Une fois que ça vient, tu pues de la gueule, mais je te dis même pas à quel point. Quelle proposition désigne une boisson à base de café en décoction? C'est comment? Café syrien, café iranien, café qatari. Ça. Non, attends, non. Donne pas trop. T'inquiète. Oui, couvre-moi. Attends, il y en a une sur toi. Prends-la, il y en a une qui est tombée sur toi. Non. Allez, finis-le. C'est une petite cigale comme ça qui vole. Et tout comme tu as des oignons. Je vais pas avaler. Tiens. Dégueulasse. C'est pas parce que tu pues de la gueule comme ça après. T'as une petite tête qui est là. Non. Tu peux arrêter de te soupir 3 ans, recommence. Mais si, c'est trop chouette. C'est quoi? Compléter les paroles. Oh non, non, pas ça, non. Que chanter Jean Ferrat? Aimer à la folie, aimer pas du tout, aimer passionnément, aimer à perdre la raison. Aimer à la folie. Passionnément, à perdre la raison. Je suis vraiment maudit. T'as mis un destin sur la lèvre. Sur les côtés. Ah ouais. C'est comment? Ah, partial. Je te mange du carton. Sec de dingue. Bah oui, c'est ce que je te dis. La fin, tu verras, t'auras du plein de petits morceaux que tu peux pas avaler. Oh, la fin, c'est le pire goût. Bah oui. Moi, un truc à boire. Non. Ah. Tu triches, hein, t'as même pas essayé d'avaler tout seul. Moi je l'ai gardé 10 heures. J'ai avalé déjà. Je suis pas un bébé, je l'avale pas en disant. Combien? Ah, j'ai encore le goût. Combien? C'est pire lequel? Celui-là ou celui-là? Ah, celui-là ou lequel? Elles sont plus gros du coup, c'est bizarre. Les RX350, LS400 et SC430 sont des modèles de quelle voiture? Toyota, Chrysler, Volkswagen, Lexus. Yes! Tu savais? Non, je savais rien! Yes! Toi, tu le savais? Non. Ouais, elle est cocu, c'est sûr. C'est là avec du truc à l'intérieur, non? Je t'avais pas dit avec du truc liquide là. Je te le rien. C'était lait caramel. Ah, mais c'est pas bon. Oh là là, mais c'est quoi ce drapeau, bordel? Oh, Côte d'Ivoire, Niger, Gambie. République démocratique du Congo, je dirais Niger. Ouais. C'était ça. Putain, j'ai juste ça au pif. Oh. Oh, c'est marrant, hein. Ouais. Elle me donne un ananas, elle me dit c'est fraise. Tu veux toujours pas goûter fraise? Ah si, je veux goûter fraise. Ouais. Elle en aura dit, non? Mais sinon je vais t'étouffer. Mais j'avoue que fraise est bien meilleure qu'ananas. Ouais. Où se trouve ce haut lieu de la chanson française? Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Olympia, Bordeaux. C'est où? C'est à Paris, mais je suis trop con. Mais tout est à Paris. Tout est à Paris, je me suis dit, c'est sûrement pas Paris. Ah. Ah. Attends. Ah, encore une fois. Ah non. Ah. C'est une vieille phrase. Oh non, pas ça. Nature, c'est vraiment pas bon. Quel est ce Pokémon? Azumarill, Mimigal, Nostanfer, Remoraid. Nostanfer, mais ça. Alors, c'est une chauve-souris et elle me dit Mimigal. Alors que Mimigal, c'est Migal. Alors qu'il y avait marqué Nostanfer. Alors, Nostanfer, on sait que c'est la chauve-souris. Non. C'est bon? Mmh. C'est grave si je te mets la boîte entière? Oui. Ça veut dire que je récolte. C'est quel goût?
On a plus. C'est sûr. Bon, ouais, ça va pas être bon. Faut voir si derrière vous il pue de la gueule. On sait qu'il y en a du ou pas. C'est quand tu finis de mâcher. Oh. C'est nature. On donne la boisson. Les capitales du monde. Oh non, mais non, non, on passe, mais ils font exprès, mais c'est quelque chose géographique pour moi ou quoi. Oh lolo. Oui. Duquel de ces pays le Caire est-il la capitale? C'est l'Égypte. C'est parce que t'as vu l'image, sinon tu savais pas. Non, si, je sais que le Caire c'est en Égypte. Ah, elle s'aime. Laurie, pour qui? Tu me dis Burkina Faso, je sais pas, mais le Caire c'est bon. C'est vrai, on mange que des œufs. Celui qui perd mange un œuf, celui qui gagne mange un œuf. Mais celui qui perd mange un œuf de 100 ans. Triche. C'est quoi? Je ne perdrai pas. Ton préféré? Déjà, c'est praliné. C'est lait praliné. C'est pas chocolat noir, c'est pas assez fort. C'est pas chocolat blanc. Parce que l'emballage est bleu clair. Quel tricheur. Donc c'est lait praliné, c'est ça? Ouais. Mais en même temps, c'est avec le bleu clair. Mais je sais pas, c'est quel goût. Le 14 juillet 1989, 1789, quels sont les fusils que les émeutiers ont récupérés à l'hôtel des Invalides? Fusils à Béron. Eh bien non, c'est fusil à basculant. Ah non, c'est fusil à poudre noire. Je crois qu'on a déjà tout ouvert. C'est ça? Oui. Tout a déjà été ouvert. Ça me donne un gic. Quel menteur. Ah ouais. Non, je crois pas le mec. En vrai, curry, moi je peux trouver un truc meilleur. C'est vrai? Ah mais j'ai pas goûté curry moi. Non. C'est le dernier. T'as pas goûté curry et tant. Éteint. Ah mais j'en ai perdu, je crois que j'ai perdu alors, j'en ai fait que 7 perdus. Bah oui, t'as aussi mangé deux autres trucs mauvais. Pour celui-là. Penche. Bah avec nous. T'es sûr? Toi il me reste un peu que t'as perdu. Non. Ceci. Non, tu m'as jamais tout le paquet. C'est que c'est meilleur, mais c'est pas ouf quand même. C'était quoi? Barbecue. Non. Non. Tu verrais ça? Mix grill. Ouais, ça va. Mais du coup, ça, s'il était bon, ça veut dire que c'était barbecue. Non, ça fait mix grill. Il n'y a pas. Ça veut dire que j'ai pris trois différents, je les ai mélangés. Ah ouais? T'as pris barbecue, salsa. Et tapas. Mais tapas, j'ai pas beaucoup. Eh ouais! C'était bon, hein? C'est une source de protéines hyper rapide, hein? Moi, je le mange aussi. Hein. Il est vraiment trop bon lui. Finalement, j'ai perdu. Si vous aimez bien ce concept de vidéo, question pour un autre, dites-nous en commentaire et on continuera à en faire avec les autres invités. Quant à nous, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette et une autre vidéo.